Que certains pilotes m'ont dit que c'était pas un bon jour. Je ne sais pas quels sont leurs critères. De 1930 mètres, il y a des vautours très loin en dessous. Je suis au-dessus du col du Granon. Ah, il y a un gros planeur là-bas. Deux planeurs. Voilà, je suis à la verticale de la Grande Aria. Je ne me souviens plus du nom des deux lacs. Je m'étais baigné dedans il y a quelques années. Ah, ça monte bien. Là. 3300 mètres. C'est pas vilain. J'avais prévu des plafonds après-midi. Bien. Bon, là, il faudrait que je trouve quelque chose. Apparemment, il y a quelque chose. De 1850 mètres. La vallée en contrebas, profonde, là, c'est la vallée de la plage. J'avais regardé sur les cartes de vent, là vous voyez voir une convergence des brises, et donc vent nul et une ascendance très très douce, et apparemment c'est ce que j'ai, je tourne dans de l'huile, pas la moindre turbulence, donc tout tendu, alors qu'en face c'était très turbulent. Je pense que quand je reviens dans la vallée de la Guisane, je suis vraiment à la zone où se confronte la brise montante depuis Briançon et la brise descendante depuis le col du Lautaret. Entre les deux, il y a des turbulences. C'est un peu si on est sur le plateau. Sinon, quand j'ai traversé, ça montait en traversant le milieu de vallée. 3116 mètres. Je suis remonté à 2775 dans de l'huile. Je vais pouvoir me poser à côté de ma manche à air, pas trop loin du col. Je vais même remonter au-dessus du Forêt, c'est fou ça.
Ça monte tout doucement. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Maintenant, ça monte beaucoup mieux que tout à l'heure. Bon, je vais aller voir mon petit lac et ma manche à air. J'étais pas loin des cailloux. Bon, contre-pente foireux, en plein dans les obstacles. Voilà, ainsi s'achève cette petite tentative de faire un très grand vol, un très grand cross. Je voulais aller à la grande area et après filer. J'ai oublié le nom, une montagne, il y avait 80 bornes à faire, mais c'était très technique avec un peu le vent de face. J'ai bien joué. Évidemment, j'ai encore posé n'importe où, entre les rochers et le ruisseau. Et je parie que j'ai croisé des sauterelles. Bon, sinon, tout va bien, un peu fatigué. Oui, bon, j'aurais pu aussi me payer un terrier de marmotte. C'est pas si mal.